avec les avaries de l'épisode 9, dont J.J. Abrams a repris les commandes en plein vol, on en aurait presque oublié que le prochain Star Wars arrive chez nous le 13 décembre. Disney vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Les Derniers Jedis, le 8e volet de la saga, réalisé par Rian Johnson. En vedette de ce trailer de 2 minutes 30, le personnage de Rey, incarné par Daisy Ridley, s'exerce au maniement du sabre laser en compagnie de Luke Skywalker sur l'île où avait laissé le vieux Jedi à la fin de l'épisode 7. On devrait aussi en apprendre davantage sur l'infâme Snoke, aperçu sous forme d'hologramme géant dans le premier film de la troisième trilogie, sorti il y a 2 ans. Et suivre le développement personnel de Kylo Ren, le fils de Han Solo, qui a tué le père à l'épisode précédent, de manière très littérale. Heureusement, Carrie Fisher sera encore de la partie, en bonne place sur l'affiche du film qui vient également d'être dévoilée.